Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va écouter deux sons parce que je pouvais pas les faire en deux fois vu que c'est un peu le même truc on va dire fait je sais pas si c'est la même prod en plus mais je vais voir. En tout cas on m'a dit que c'était un cypher, il y avait trois volumes, donc voilà. En fait quand j'ai fait la réaction de Mike Flems, Pee-wee, Laura, El Miliaro sur le volume 1, Gezé, Cherchons l'argent. Je savais pas qu'il y avait deux volumes de plus, donc en tout trois. Donc il y a du coup le DJ King Coffee volume 2 avec d'autres feats. Et on a un autre, un troisième aussi, dont le papara est dessus aussi, et d'autres. Et donc il y a pas mal d'artistes en fait sur tout le truc, en fait, tout le concept en fait du projet Cypher Gezé en fait sur les trois volumes. C'est intéressant, donc on va écouter ça. Et vous m'avez demandé, vous avez pas mal de gens m'ont demandé, donc force à vous. Merci pour les propositions, comme d'hab, on essaie de satisfaire au mieux. Et si c'est pas satisfait, ben on essaiera la prochaine, on verra. Donc je vais commencer par le deuxième déjà. Donc on avait fait Laura, il était où? Il était là, c'était le feat. Mike Flems, Pee-wee, Laura, El Miliaro, Gezé volume 1. Et on va partir sur le volume 2. DJ King Coffee featuring Jill Phoenix, Holly Big, Black Star X, Raouf Denio et Tipeee French. C'est le volume 2 de Gezé, producteur Davichu. Est-ce que c'est la même prod? C'est la même prod ou pas? En tout cas, je trouve que. Si, si, c'est la même prod. J'arrive dans le hoodies, hein, par l'esprit. Allez, c'est parti. Yeah, on va gazer. Dans le champ, n'y n'y pressé. Tout sans doute, fait rappeur, c'est dans ma fessée. Je suis pressé. Quand je pose, ils sont tous stressés. DJ King Cole, demi-sœur, c'est apprécié, c'est plié. Je retrouve mon blaze en toute prière. Merci à Facebook. Voici votre mise. Je rappe, je me fais du cas, je nique le rap game. Tous ces flemmards qui me dévisagent, ils sont tous d'un père. Oups, I'm a hustler, I'm a hustler. Oh là là, la ref. Où c'est qui gère le cash là, homie? Allo, faire rentrer le cash, la légende, vie de symphonie. Arrosé de flash, j'ai un pied dans le show. Il est bon, hein? Dans le biz, nigga. C'est pas dans ma team, c'est pas la biz, nigga. Ah, lourd. Il a des très bonnes refs sur ses punchs en plus. Lui, tu sens qu'il écoute beaucoup du S. Je dois baisser le niveau, il n'arrive pas à suivre depuis l'époque des mille niveaux. Ils sont captés, sont captifs à mon actif, ma pratique est élevée depuis la matrice, ma théorie. Tout est pratique, je suis tactique, ma technique fout la panique et vient des tropiques, c'est logique. Ça kick hein, quand même, hein, franchement, chaud. La légende, l'ovni, c'est le rappeur en esprit. En esprit, c'est l'effet des hommes. La légende, l'ovni, c'est le rappeur en esprit. They say a king got off here on his dining table. Couple model popping bottle, we don't need a label. Oh là là, l'accent, y'a tout, ah, c'est chaud. I got my foot on your neck, head banging like heavy metal. Take it in, it's a do or die. When we suit up, it's a suicide. I let that cannon fly. Quick to burn on with the chamber, that's a genocide. Oh là là. You know the vibe. We go get it any means, yeah, I'm certified. From the bloodlines of kings to queens, gods and goddesses. Ah, c'est trop lourd. Dimes, I'm a fly guy like Pegasus. Head throttle, about to rock your cradle. Crush your burn, man, this shit is fatal. Float is hot, I'm about to take a little. Putain, chaud, hein. Man, we on our way up. Holy feet. Ah lui il a ramené des packs derrière. Ah lui, lui était chaud devant son micro, il était motivé. Il est là devant le micro. Il est en train de tuer ça. C'est un beau projet quand même, hein. Joli, 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 joli. Just gotta call, my cousin's in trouble. So here to prepare, he's the only one that can fix his problem.
franchement, ils ont pas choisi des gars qui sont mous, qui sont légers. Tous les gars étaient énergiques. Ça kick. Ah, visuellement, lui il est pistolet à supreme de pire. Non, franchement, intéressant. L'intéressant, il y a des belles choses. Et a déjà fini. Et a 4 tous. Donc voilà, c'était le Cypher volume 2. Gaze volume 2, exactement. Avec pas mal de feed. Donc, on a pu voir pas mal de genres d'artistes avec. Dont leur flow était plutôt différent les uns des autres et tout. Non, il y avait des bonnes choses, c'était intéressant, tu vois un peu la couleur de chaque artiste, donc dont je ne connaissais pas, je crois que je connaissais personne là-dedans. Ouais, je crois pas que j'en connais un. Et ouais, non, franchement, chaud, ils ont kické dessus. Ça fait plaisir de voir un Cypher. Et en fait, il date depuis 2021. C'est dingue, novembre 2021. Donc voilà, on a écouté le 2, on va checker le 3ème. Alors, il y a qui dessus? Yaovi, Keteti, Le Papara, Amron, Millie Parker et Kana. Dessus, je connais que Le Papara. Et on va découvrir les autres. Le Papara, bien évidemment. On suit depuis un bon petit moment. Un gros coup de cœur chez lui parce que franchement, il fait des dingueries. Et bah voilà, j'espère qu'on va découvrir d'autres personnes aussi talentueux. Donc voilà, c'est le Gaze volume 3. Et voilà, DJ King Kofi, l'idée vient de ce garçon. Et voilà, producteur David Cho sur la même prod. Alors, c'est parti. Il est sorti quand celui-là? Sorti il y a un an et un quelques mois. Tu es trop distrait, approche la cam, on doit sortir la Camaro. Même si c'est l'argent de la cam, tu as du pain sur le plancher. J'ai de l'argent sur la table, m'a pas traîné avec vos gars. Depuis quand Messi joue la canne, ils connaissent Big Boss, le kid boss, tes petits, forcément d'amande au barbe. Sous le menton, comme Rick Ross, et tu fais le beatbox. Si tu me crosses, ah là là, t'es salement, le Sean East Cross. Bref, rêve, cherche la moula, c'est pas ici, c'est par ici. Ah, il est trop à l'aise, ce gars. Il est trop à l'aise. La caresser, vu qu'il y a peu de concurrents, Kanye est devenu paresseux. Azeka, ayant au fond billet, l'écriture vient le writing, mais le canet est outillé. Vers le sommet, à cause du cash, t'en continues de roupiller. Les rappeurs sont devenus des lampadaires, sont tous les pauvriers. T'es oh là là, c'est une kiffe pas, l'argent parle, me quitte pas. Maman hésite grave, au Marrakech, hérite pas. Depuis que je kiffe sale, les petites tasses me kiffent grave, les gars. Money, power, passion, des poètes, des cadets, gars, j'ai des cadets. Franchement chaud, hein, le couplet était sévère. L'idée venant Gabouda, m'besoin balboba tout béye qui y allait Jareda, yo, et Jareda, l'idée venant Gabouda, m'besoin yot et venant Nyaire, et te weyada, oh, appelle nous monument, superilos monument, on tente la monnaie, on la soumet, nous sommes des goldman, on cherche la monnaie et vider pas pour les mêmes buts, on vise le haut depuis le bas, pas par les mêmes luttes, fuck la varie, chaud. Une fois on veut gratuit pour en dépenser, comme des hors la loi, oh, ni soit à coco, y conduit et d'amoule ou et d'aille. Ça fait plaisir parce que les gars ils sont chauds, ils sont grave chauds. Je veux le devenir à ma solde, avoir plus de 1000 cartes. Faire le tour du monde, d'être privé et sans visa. Dominant mon monde, je me pose une question bizarre. Pour aller au paradis, pète en dollars. Relativise, mec, nos flips braves, relax. Si je vis la vie du roi et je kiffe grave. Oh, la seule devise reste nos vies graves. Je sais qu'importe la masse, la fortune traverse pas la cave. Oh, Didier Wenyan Gaboda, M'beuzon Bel Bamba, Koubeye Kinja, les Jareda, Didier Sim, Amron.
y a pas le feu, mais il fera chaud. Ah ouais, il termine comme ça. Visuellement aussi, ça bouge, hein. Franchement, ils ont des graves bons flows. Ils ont des graves bons flows. Ils sortent tous du lot à leur manière. Il a une vraie voix, lui, hein. Le père. Oh, ah, comment chaud. Oh, il est chaud. Ah, il est bon, il est bon. Oh, il est avec les codes de la prod derrière. Putain, il enchaîne, il enchaîne. Midi par cœur. Aïe. Les cyphers sans quoi je suis pas là, sinon les mauvais comptent les bons ennemis. Là je sais rien, je l'ai appris à mes dépenses. J'ai nous remplir des stacks, j'ai pas remplir des penses. Aïe aïe aïe, c'est bon. Ça fait deux potes, hein, pour 300 000. Non, faut pas trop que je me dépense. On prend billet violet, faire orange, me neige. Je vois pas, mais pour le fun, j'achète de Jack Fenet. Pour toi, les suites, non, peu à n'y je les connais. Que non, ma boude est une voix écrite où je la connais. Et la cité, franchement, elle gère. Elle gère de ouf. Ça clique, hein. Franchement, ce cypher là, il est brûlant, hein. Ah, elle est partie dans un délire là. Non, franchement, il était vraiment très très bon celui-là. C'est pas que l'autre il était mauvais, mais ah, il y a eu un truc en plus. Il y a eu un truc en plus que j'ai plus aimé. Je sais pas si c'est parce que ça a parlé plus français dessus ou j'ai mieux compris toutes les lyrics de chaque artiste. Mais franchement, c'était chaud. C'était grave chaud. Tous les artistes étaient vraiment au niveau. Il y avait vraiment une, c'est pas une concurrence, mais vraiment une vraie compète sur le cypher, on va dire. Une bonne compète, pas la compète du genre ouais, je dois niquer tout le monde, tout ça, mais vraiment le truc ego, tu vois ce que je veux dire, le truc vraiment ça doit être lui le plus fort et tout, tu vois. Mais la go aussi a été chaude, hein, franchement, rien à dire, ça a kické, ça a tué, et voilà. C'est vrai, je connaissais pas grand monde, je crois. Je sais pas si j'ai déjà entendu Amron, peut-être, je sais pas. Peut-être j'ai vu le titre, mais le nom sur YouTube, mais peut-être pas ailleurs. Alors, en tout cas, le papa, lui, comme d'hab, validé, on connaît, c'est l'ami, il est très très chaud, ce garçon. Et on le shout-out, déjà. Et les autres, franchement, ils m'ont bien impressionné aussi. Ils étaient au niveau, il y avait vraiment un truc intéressant. Franchement, c'est vrai que j'ai préféré celui-ci en cypher. Et l'autre était tout aussi bien, hein. J'ai découvert des bonnes choses. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour le volume 3. Je pense que c'est peut-être parce que... Je sais pas si tout le monde avait Perra en FR ou pas. Mais celui-là, je le...
je sais pas, il était plus proche de ma façon de voir les choses. Je sais pas si c'était le français ou la langue où j'ai mieux compris. Enfin bon, en tout cas, c'était chaud. Et franchement, grande idée de monsieur DJ King Kofi. Il faut le remercier parce que c'est chaud ce qu'il a fait. Envoyer des bonnes choses. Et ça a suivi, en fait, c'est toutes les années 2021, 2022. Et l'autre, peut-être c'était en 2020, je sais pas. Et ouais, franchement, chaud. Gaze volume 3. Il n'y a pas le volume 4 là, normalement ça devrait sortir là cette année, le volume 4, où ils ont arrêté. C'est comment? Il y a quoi dans les commentaires? C'est étonnant que les vues de ce très joli projet n'augmentent pas rapidement. Déjà, le refrain parle de lui-même, ça prouve l'expérience de Yaovi. J'ai trop kiffé le Papara et Amron ne sont plus à présenter. Ouais, c'est vrai que les deux, ils étaient vraiment intéressants. Et franchement, les autres, c'était aussi bon, hein. Mais franchement chaud, hein. Mais c'est vrai que j'avais repéré, je crois, le Papara et Amron qui m'ont bien bien surpris parce que je crois que ça parlait full FR. C'était lui là. Il était là, il venait juste après là. C'était lui. Ah non, c'est Kana. Il s'appelle Kana. Amron, c'est celui d'avant, non? Non, Yaobi Kitty, c'est lui. Amron, c'était le premier. Amron, c'est le premier. C'est Kana que j'avais bien aimé. En fait, j'ai trouvé qu'ils étaient tous bons, mais c'est vrai que au niveau de mes préférences de goût, tout ça, c'était plus Kana, c'était lui. C'est lui. Attends, je vérifie bien. Ouais, c'était lui. C'était Kana et le Papara que j'ai vraiment bien aimé parce que bah, déjà ça parlait full FR. Et ouais, j'ai bien aimé le flow et tout. Et les autres, j'ai bien aimé, mais c'était plus les goûts du flow que j'ai plus aimé. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ouais, les autres, ils étaient tout aussi bons, mais le goût musical, on va dire, des flows, de comment ils ont kické, c'était plus mon genre. Kana et le Papara évidemment, mais les autres ils étaient vraiment au niveau, hein. Il y avait de la qualité, il y avait ça kické, c'était fort, c'était puissant, chacun amenait sa touche, c'était vraiment intéressant et rien à dire, il y avait du niveau quand même. Franchement, c'est un bon cypher et je savais pas qu'il le faisait au Togo et c'est bien qu'il le fait, mais par contre je sais pas pourquoi il n'y a pas eu cette année. C'est dommage. Tiens, je vais regarder sur. Ça se trouve, il a. Ah non, ils l'ont pas sorti. Ce serait. Ça aurait fait plus de bruit. On m'aurait dit dans les commentaires. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Non, il n'y a rien. En tout cas, force à Music Press, qui est en partenariat, je sais pas, avec DJ King Coffee pour avoir fait ça. En tout cas, c'est chaud. Le niveau, c'est tellement élevé quand un rappeur vient, tu te dis, c'est le meilleur sur la prod. Puis t'as l'autre qui suit et tu sais plus quoi dire. Sinon, c'est du très high level. Mais il est comme toujours au top, l'argent est polyglotte. Mixion, Ne, Mia, Sekhbet. Papara, le meilleur rappeur de sa génération. Lui, c'est d'avance, c'est d'avance, c'est d'avance, rien à dire. Retournez dire aux ados du drill que le vrai rap se fait pas avec un pistolet en plastique. Alors, franchement, en tout cas, c'était une belle idée et j'ai bien apprécié. Il y avait des bonnes choses. Et voilà, c'est intéressant, c'est ça qui rassemble un peu la musique, le rap et qui remonte un peu le niveau et se permet de, tu vois, aller chercher les gars qui sortent de nulle part ou qui ont déjà une petite cote ou une grande cote ou je sais pas combien ils l'ont pris, mais en tout cas ça met un peu de buzz autour d'un mouvement et ça ramène la musique au premier plan et c'est de la bonne musique et les gars se défoncent et tout, ça fait plaisir, il y a des go, il y a des gars, il y a du monde, tu vois, et ça fait plaisir. Franchement, très très belle idée. J'espère que ça va continuer. C'est bizarre, il n'y a pas eu cette année. J'espère que ça va arriver parce que c'est des projets qui ne doivent pas s'arrêter, tu vois. C'est des projets qui ne doivent pas s'arrêter et il faut continuer. Il faut encourager ce genre d'événements, d'initiatives. Et voilà, DJ King Kofi, il faut pas lâcher, mon gars. Il faut envoyer la suite, là. Bon, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.